Alors tu oublies pas, hein, tu lui donnes le calcium tous les jours et ça deviendra le mec le plus balèze du village. Elles voudront toutes l'épouser. Il fera de beaux enfants. Il sera docteur, comme toi. On va essayer de survivre sans vous. Ça va être dur. Surtout si les Sikhs n'apprécient pas ton humour. Ils vont égorger mon enfant. Va regretter les petits noirs. Ah, c'est certain. Paul, n'oublie jamais le proverbe. Tu quittes l'Afrique, mais l'Afrique, elle, elle ne te quitte jamais. Bon alors, on vous revoit quand? Peut-être après le Bangladesh. Vous allez vous ennuyer, sans nous. Ça s'est passé tes trucs en Centrafrique? Quel truc? Tes paysans à qui tu voulais faire élever du poulet à la place du bœuf. Ah oui. Ça n'a pas été simple, mais j'y suis arrivé. Au Secours Mondial, ils étaient convaincus que j'allais me planter. Ah oui, pourquoi? Le poulet pour un éleveur, ça n'a pas le même standing que la vache. Et dans les corbeilles de mariage, ça pèse moins lourd. Et tes parents, ça va? Ouais, moyen. Maman merde papa, c'est pas croyable. Une chieuse diplômée. Elle aurait fait un master, elle serait sortie major. Faut être un peu tolérante, non? Même si t'as pas totalement tort. Salut Bob, tout baigne? Deux annuelles encore cette nuit, ça sera les dernières. Et ça fera combien? 28 pour cette saison. Plus d'1,8 par brebis. Beau boulot. J'ai jamais compris pourquoi t'avais tout ça. T'y viens jamais? Presque jamais. Mais ça me permet de faire croire que je suis un type sérieux. Un chercheur, ça doit avoir un laboratoire. Alors que le laboratoire, c'est là-bas, dans le poulailler. Ah oui? Tiens, regarde. Par exemple, est-ce que tu veux des gros œufs? Non, pas spécialement. Dommage, parce que tu balances au milieu de ces phones un combattant indien. Un quoi? C'est un coq super, massif, lourd. Et tu obtiens des gros œufs et des gros poulets. Si c'est pour leur équilibre sexuel, alors je veux bien des gros œufs. Alors les amoureux, la pêche. Donc, s'il vous reste un peu de tendresse.
On mettait une part de côté. Salut, ma chérie. Salut, tantine. Toi, je t'ai déjà vue. J'ai faim. Tiens, tu veux une tartine? C'est bien quand vous êtes là. Hein. Je peux squatter. Et puis c'est calme. C'est encore rock'n'roll avec ta mère, c'est ça? Pas du tout. En ce moment, on s'adore. Mais bon, ta sœur aime la ville et moi, je préfère la campagne. Alors, je m'impose. Donc pas du tout parce que tu nous aimes, alors? Pas du tout, non. Quelle paix. C'est vrai, hein. Qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus? Pourquoi aller chercher ailleurs la mouche à quatre culs? Un jour, tu la cherches plus, tu es mort. Ça, je comprends rien. Y a rien à comprendre. Sauf qu'il faut toujours une bonne raison pour se lever le matin. T'as acheté des chaussures rien que pour garder les boîtes ou quoi? Maman, bien sûr, les souvenirs se conservent mieux dans des boîtes que dans des escarpins. Enfin, t'as vu le nombre de boîtes que t'as? Merde! C'est une vraie? Oh bah, qu'est-ce que tu crois? Donc tu peux être vachement sexy là-dedans. Je peux l'essayer? Je te la donne. Non. Ben, vachement sexy. Pourquoi tu fais tout ce rangement? T'es enceinte? J'aurais bien aimé. Pardon, excuse-moi. Je voulais pas dire ça. Tu m'en veux pas? C'est pas grave. Une surprise pour samedi. Quel honneur. Pour votre grand retour. Ah. Tu verras. Je crains le pied. Oh, j'ai envie de me poser. De plus courir le monde. Allons bon. Bah oui, j'ai envie de m'occuper de nous. Les autres. Combien de femmes tu as accouché déjà? Je sais pas. Beaucoup. Pourquoi? Je suis certain qu'il y a des Indiennes en Amazonie qui ont encore besoin de toi. Mais c'est des conneries, tout ça. Elles n'ont pas besoin de nous. Quand on n'est pas s'occuper d'elles, elles s'en porteraient beaucoup mieux. Alors on se fait sa petite déprime, hein? Mais non. Mais j'ai envie qu'on soit un peu tous les deux tout seuls. C'est interdit? Interdit? Non. Regarde. Tu sais que Caro et les autres nous préparent une petite fête samedi pour notre tour? Pas mal celui-là, c'est d'un coup. Putain, moi qui ai horreur des fêtes. Oh bah pour ton anniversaire, tu feras un effort, non? 53 ans déjà, c'est vieux, non? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Anniversaire. Je croyais que c'était mon anniversaire à moi. Ma maison, ma femme, mon chien, mon anniversaire. Est-ce que tu peux être possessif? Ouais. Si tu veux continuer à être mon vétérinaire, hein. Bon, bah, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est vos 20 ans de mariage demain, donc c'est pour vous deux. Ah. J'ai trouvé ça. Je l'ai piqué dans ton foutoir. Le cadre vous plaît? C'est Fabien qui l'a fait. Ah bah tu devrais te consacrer à la sculpture au lieu de passer ton temps les mains dans le cambouis. Hein. Oui, t'as raison, mais comme je ferai pas une thune, tu seras obligé de m'entretenir alors. Ouais. Et voilà notre cadeau à Pierre et à moi. Bon anniversaire. Oh,
ouvre un billet. Pour Venise. C'est pour le voyage que vous n'avez jamais eu le temps de faire. On ne devait pas s'aimer assez. Peut-être un peu kitsch, mais il faut y aller au moins une fois dans sa vie. Vous y êtes allé, vous ? Non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Bah, vous divorcez plus ? Pas encore, ma fille, mais on ne sait jamais. Tu sais, avec ta mère, je n'ai jamais vraiment... Quel âge ? Ah, toi, pas de jugement. C'est quoi ce plan ? Vie aussi simple. Quoi ? Ça. C'est pas une idée de Caroline. Pourquoi ça te plaît pas ? Non, c'est pas ça, mais je me demandais au cas où. C'est toi qui décides de partir avec moi ou moi qui pars avec toi ? Bah, je sais pas, c'est selon, non ? Ah, parce que... Et au-delà, c'est quand même ton écriture, ça. Et alors ? Ah, tu sais, pour moi, l'au-delà, c'est quand même loin, hein. T'es plus d'accord, alors ? De renoncer à vivre sans toi ? Si... Allez, bonne journée, monsieur Paul. Au revoir, Cécile. Good news? Il n'y aura pas de Bangladesh. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je savais. Dès que j'ai rencontré ce bureaucrate à Paris, tu te souviens de son discours ? Mais si, bon Dieu, les temps changent. L'humanitaire doit se professionnaliser, se gérer, s'organiser. Le développement agricole a besoin de sang neuf. Et alors ? Et alors ? Il me fout sur la touche. Tiens, lis. On va être libre de voyager partout, on n'est encore jamais allé. Nous choisirons nos guerres, nos famines. Et si nous voulons aider, nous déciderons nous-mêmes qui seront nos victimes. Mais non, nous n'aiderons personne. Tout va bien, je suis trop vieux pour aider qui que ce soit déjà. Ok, d'accord. Alors, on voyagera pour notre plaisir, comme deux vieux cons, si tu préfères. On se verra en l'air dans tous les coins. Tu seras le seul client de mon dispensaire. Et je te piquerai le cul tous les jours pour pas perdre la main. Ça te va comme non, ça? Non, 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 pas de piqûre, je déteste. Les... Et en plus, je t'ai fait mal. Ah, je dérange. Mais enfin, faut dire qu'avec vous, c'est pas facile, hein. Faut être tout le temps à l'affût. Là, Paul. On lui a retiré sa mission, il vient de la prendre. Oh merde, les enfoirés. Pourquoi ? Il est jamais d'accord avec eux, ça te va arriver un jour. Ouais, mais le mettre en rencard comme ça, c'est nul. C'est le flingabou portant. Ouais, personne n'est indispensable, tu sais. Et puis... Et puis quoi ? Et puis, c'est jamais bon d'avoir trop souvent raison. Je comprends pas. C'est pas grave, je t'expliquerai. Il avait l'air drôlement secoué, hein. T'es sûr qu'il faut le laisser partir comme ça ? Mon mec, quand il va pas bien, vaut mieux le laisser ruminer tout seul. Il reviendra quand il se sentira mieux. Eric ? Oui ? Ouais. Pour celle-là, ouais. Tu regardes l'allumage et tu me fais les niveaux. D'accord. Ok, tu sauras ? Ouais, pas de problème. Ouais, bien. Salut, Paul ! Qu'est-ce qu'il a ? Il répond pas aujourd'hui ? Oh, Paul. Paul ? Quoi ? Ah, salut, Fabien. Mais qu'est-ce que tu fous là ? Ah bah t'es pas au courant, j'habite ici. Allez, viens, je t'offre un café. Ah, bonne idée, j'ai besoin de te réveiller. La grande forme.
Si tu veux des leçons, hein, fais-moi signe, je te ferai des prix. Des prix. Attends, t'as une chance de marabout, oui, c'est tout, oui. Qu'est-ce que je te disais? Bien, je te laisse des points. Oui. Monsieur est trop bon. Oh, ben, enfin, prends des risques. Hein? Tu vas encore perdre si tu joues la sécurité. Il du poids de la bête, l'Africain. Je préfère te voir dans cet état-là. Comment ça? Quand on t'a vu tout à l'heure dans ta bagnole, comme ça, sans bouger, t'avais pas l'air bien. Ah oui? Ah ouais, on était inquiets. Vous croyez que j'étais mort? Penses-tu? Vous croyez que t'étais bourré? Eh ben non, désolé les gars, tout va bien. Et comme j'ai gagné, c'est ma tournée. Ah! Alors toi, ton rêve, c'était d'aider les femmes à accoucher? Non, mais moi, je voulais pas spécialement devenir sage-femme. Pour être avec ton oncle que j'ai fait ça. Ah oui, tu voulais faire quoi? Non, je sais pas. Je voulais être avec lui, c'est tout. Voilà, tu devrais baisser le feu et touiller plus doucement. Hein. Ça va comme ça? Ah oui, très bien. Tu pleures? Eh mais non, c'est les oignons. Ça fait quoi le coup de foudre? Charlotte, tu veux pas me répondre? Oh, t'as oublié? Non. Non. Tu parles. Aïe! Ça fait quoi? Non, c'est juste une égratignure. Mais je te parle pas de ça, le coup de foudre. Mais tu t'en fous que je souffre? Allez, raconte. Oh, sur le coup, c'est vraiment extraordinaire. Tu touches plus tard. Un homme arrive. Il s'installe dans ta tête, tout tourne autour de lui, il te satellise, il éclaire ta vie. Puis après, tu te demandes si tu t'es pas raconté un film, si t'es dans le rêve ou dans la réalité. Le plus difficile, c'est de durer. Enfin, pour vous, ça a pas l'air trop dur, hein. J'ai jamais gagné. Pourquoi tu me demandes tout ça? Oh, comme ça, simple curiosité. Paul, les gens de pouvoir n'aiment pas qu'on leur mette le nez dans leur mer. Tu devrais le savoir. Ce qui aurait été malin, c'était de leur faire croire que ton idée était la leur. Et puis quoi encore? Ouais, mais bah, t'as une trop grande gueule, vieux. Ça te perdra. Alex. Oui? Ça m'a déjà perdu. Perdu, comment ça? Une foutre sur la touche, un genre pré-retraite. Oh non, c'est pas vrai. Moi qui arrive depuis tout petit, tu veux pas me laisser ta place? Oh! Ah! Paul, qu'est-ce qui t'arrive? Ne bouge pas, ne bouge pas. Tu as mal? Dis-moi, ça t'arrive souvent? Depuis quelques temps, j'ai des coups de poignard comme ça, puis ça passe. Dis-moi, tu as vu un tobillon? Non, mais puisque j'ai celui de mes bêtes avec moi, je vais demander de m'ausculter. Tu fais des prix pour les vieillards. Non, mais je vais y penser. Comment tu te sens, là? Tu peux marcher? Je crois. Bon, on va aller jusque chez toi. Je vais pas t'ausculter. Au milieu des poules, elles sont pudiques. Ça pourrait les gêner. Non. Opère-moi ici, inutile d'inquiéter Charlotte. Ah bon, comme tu veux. Excuse-moi. Quand je te fais mal? Je sens rien. Ah, ne passe pas comme ça, je suis pas une bourrique. Ça discute. Écoute, ça ressemble à rien de ce que je connais. Hein? Puis les hommes ne sont pas ma spécialité. Tu devrais voir un médecin quand même. On sait jamais. Merci pour l'ordonnance. Un cachet de trouille, trois pilules d'angoisse, j'avais bien besoin de ça aujourd'hui. En tout cas, avant de voir un toubib, je vais me payer ces enfoirés mondains du Secours Mondial. C'est peut-être pas la meilleure thérapie, mais si ça peut te soulager. C'est passé mon numéro de claquette les convaincra, mais je ne risque rien d'essayer.
Moi, c'est pas ce qui me préoccupe vraiment, tu vois. Les examens, ne t'inquiète pas, c'est une formalité, tu verras. Ouais, bien sûr. N'en pense pas un mot. Paul! Quel plaisir de te voir! Le plaisir de me voir pour la dernière fois, c'est ça, Jean-Marc? Ce qu'il y a de bien avec toi, c'est que les préambules ne sont jamais nécessaires. Mais ton temps est si précieux. Que veux-tu que je te dise? Place aux jeunes. Mais c'est ça, fous-toi de ma gueule. Mais je ne me fous pas de toi. Mais on vieillit tous, tu le sais bien. C'est toi qui as annulé la mission. T'as peut-être aussi choisi la nouvelle affectation. Tu sais très bien que ce n'est pas moi qui ai pris la décision. Oui, mais tu pouvais t'y opposer. Je reconnais bien là ton courage. C'est peut-être à cause de toi que je vais me retrouver gratte-papier dans un bureau. Tu veux la vérité, hein? Je sais que tu aimes ça. Eh bien, à Paris, à New York, à Genève, tu commençais tous à nous faire chier avec tes leçons sur le développement. Paul, l'utopie, c'est bien. Mais nous, nous sommes confrontés aux réalités économiques et politiques. Peut-être, oui. Oui. Mais vous, les clercs de l'aide humanitaire internationale, vous avez mal lu les évangiles. Vous voulez multiplier les pains comme l'a fait Jésus, vous multipliez les pauvres. Brillant. Inutile, mais brillant. Belle sortie, Paul. Je t'emmerde. Détendez-vous, monsieur Freinet. Ce ne sera pas long. Je sais. C'est une première, hein? Une première quoi? Personne d'autre que moi ne l'a jamais piqué, hormis le moustique qui lui a collé le palu. Va falloir attendre un petit moment pour le scanner. Il y a foule. On attendra. Comment tu te sens? De la vérité. Tout le monde sait que j'aime la vérité. Je suis épuisé. C'est vrai? Évidemment que je suis épuisé. La connerie, c'est épuisant. La connerie de Jean-Marc, ça l'a acheté. Tout ce temps perdu à cause de ses examens. Cette ville que j'exècre, tout ce bruit, cette pollution, ces flics, ces bureaucrates de merde, cette foule de nantis, enfin, c'est... Allez, viens. Allons-y, marchons. Ah oui, mais moins vite. Hein. T'ont pas fait une prise de sang, ils t'ont dopé, ma parole. Mais il faut bien que je donne le change avec vos craintes. Toi, Caro, Alex, tous. On examine, on tourne autour, vous voulez me foutre le bourdon ou quoi? C'était pas le but, hein. Allez, viens, je t'offre un verre. Ah, d'accord. Je vois que tu regardes les femmes avec appétit, ça a l'air d'aller mieux. Je regarde les autres, mais je ne vois que toi. Menteur. C'est fou ce que tu me connais bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Prendre la même chambre. Tu t'en souviens, toi? Bah, évidemment, t'étais le premier. Moi, j'étais pas la première. Enfin, je te pardonne, cette fois-ci. Maintenant, si j'ai pas de pardon. Oh, et sois pas mufle en plus, hein. Tu te souviens? La première fois que nous avons fait l'amour, je t'ai demandé de m'épouser. Je t'ai répondu qu'on ne demandait pas ça à un homme après avoir baisé. C'était très mal élevé. Je préfère pas rentrer. J'ai pas tant la pêche que ça. Bah, faut bien dormir quelque part. Oui, mais pas ici. Tu sais quoi? J'ai faim. Ah, tu as faim? T'as jamais dîné dans un 3 étoiles, moi non plus. Alors, puisqu'on nous emmerde,
Au diable, nos principales à con, on va se taper la cloche. Oui, enfin, un grand restaurant a jamais fait une révolution culturelle, hein. Bonjour, monsieur Paul. Salut, Cécile. Merci. Tu veux des œufs? Ah, c'est pas de refus. Ah, viens avec moi, des œufs aussi gros, t'as jamais vu. Fais attention à ce qu'ils savent pas, hein. Alors regarde. Regarde-moi ça. Laissez-moi faire. Je vais bien. Je crois que j'ai une crise de palud. Ça fait mal? Non, 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 non. Ça donne la fièvre, ça fout la place. C'est une vacherie. Mais ça va? Oui, 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 oui. Merci. Allez, file, file. Ça va, monsieur Paul? Bof, petit coup de barre. Tu peux finir de nourrir les poules, je reviens. Et ça, je le mets où? Bah dans l'armoire. Ça va pas, mon Paul? Pas du. Faut pas chercher Charles. Tiens, le courrier, je crois qu'il y a le résultat des analyses. Je vais m'en occuper. T'inquiète pas. Voilà. La piqûre va lui faire du bien. Pour le reste, comme d'habitude. Charles, vous savez que Paul a fait des examens la semaine dernière à Paris? Oui. Alors, les résultats? Les voilà. Du bois de sage-femme, il y a des trucs que je comprends pas. C'est comme si la vérité médicale n'appartenait qu'au médecin. Il y avait une lettre d'accompagnement? Oui, voilà. C'est le professeur Brunel qui l'a vu. Il a proposé un rendez-vous. C'est pour lui commenter les résultats. C'est normal. Votre commentaire à vous? Il me manque beaucoup de paramètres. En gros, vous ne pouvez ou vous ne voulez rien dire? Caroline. Excuse-moi, ma petite Caroline. Se prononcer sans connaître la vérité dans mon métier, c'est pire qu'un mensonge, c'est un délit. Vous permettez? Je vous raccompagne, Charles. Charlotte? À dormir. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Je réfléchis. Comment tu te sens? Beaucoup mieux, j'ai l'impression que j'ai plus de fièvre. T'es fort? Ah oui. Heureusement, hein, parce que les poules, elles commencent à s'inquiéter. Hein. Lesquelles? Toutes. La photo que nous a offert Caro. Ouais, bah. Pourquoi tu l'as mise sur ma table de nuit? Pour rien. J'aurais dû la mettre où? Je sais pas. Je vais aller à Genève. Je vais voir la direction. Je vais leur proposer d'être consultant, tout simplement.
Ils m'emploieront sur des questions précises et je les emmerderai plus sur les questions de politique de développement puisque ça les irrite tellement. Moi, j'ai plein de copines à Genève, ça me fera plaisir de les revoir. Ok. On ira le plus vite possible là-bas. C'est quoi? Bah c'est toi. Tu me vois comme ça? Bah ouais. Mince, élancée, froide, métallique et sans tête. Et je peux dire aussi longiligne, sensuel, et la tête dans les nuages. Bon allez, fais pas cette tête. Oui mais joue pas. En plus, tu sais très bien que j'ai aucun humour. Du calme. T'es jamais tendre. Puis regarde, Paul et Charlotte, ils s'embrassent dans tous les coins. Oui, mais attends, eux, ce sont des surdoués. Tu mets pas la barre un peu où, là? Et peut-être que ça aurait été bien de poche sur cette place. Ah, monsieur Frenet. Bonjour, madame. Il faut que je vous parle. Oui, ça a été un sacré néo du colon. Hein. Bon, alors surveillez. Hein. Et oui. Si ça va pas, vous passez au bloc. Je vous en prie, entrez. Je constate un épanchement du côté du poumon droit, ce qui pourrait laisser supposer un abcès. Mais il vaut mieux regarder pour en avoir le cœur net. Si vous aviez été fumeur, j'aurais plus de renseignements. Mais j'ai lu que vous ne fumiez plus depuis 20 ans. Donc ça pourrait être un cancer, mais vous n'en êtes pas sûr. Non, rien n'indique qu'il s'agisse d'un cancer, mais il vaut mieux vérifier. Vous savez, d'Afrique, des patients nous rapportent souvent des maladies qui nous surprennent. Monsieur Frenet, il ne s'agit que de prudence. Alors voyez avec ma secrétaire pour la date de la petite intervention, avec le chirurgien que j'ai déjà informé, le docteur Bert. Il faut faire ça très vite. Et après seulement, nous serons fixés. D'accord. Au revoir, monsieur Frenet. Au revoir, madame. Au revoir, professeur. Et à très vite. Hein. Bien maintenant, j'ai deux raisons pour me battre. Pas pessimiste. Il a dit qu'il fallait vérifier, c'est tout. Ouais. Je vais annuler Genève. Je veux pas continuer avec ces cons. Pourquoi? Non, je vais aller trouver mes copains d'Action pour le développement. Je serai plus à l'aise et plus efficace avec une association privée qu'avec ces usines à gaz internationales. Mais où tu étais? T'as même pas attendu ces sauvages. Voici. C'est normal, t'as dit que c'était pas comestible. Ce qui est totalement fou, c'est délicieux. C'est pas vrai, il a pas dit ça. C'est vrai que c'est bon, tu me donneras la recette de ta terrine. Mais à quoi ça va te servir? Tu cuisines jamais. Oh, mais tu vas me lâcher un peu. Si bien ta fille, t'étais comme ça. Oui, mais bon. Fabien, tu peux me passer le plat, je vais rapporter la cuisine. Je bouge pas, j'y vais. Hop. C'est pas ce que tu as, mais t'es de plus en plus au petit soin avec nous, hein. T'es pas malade au moins. Pourquoi? Vous trouvez que j'ai une sale gueule? Ah, pas plus que d'habitude. C'est un moment, tu essuieras aussi la vaisselle, hein? Oui, j'y moquerai pas. Bon, je vais faire un petit tour. Hop, allez, Lucien. Je regardais tout à l'heure Charlotte et toi. Je vous trouve assez assortis. C'est vrai que je suis plutôt pas mal de ma personne. Je t'ai vu lui parler à l'oreille. Vous avez une vraie complicité tous les deux, non?
Qu'est-ce que tu... Tu vas pas me dire que tu es jaloux? Mais non, je trouvais bien ensemble, c'est tout. Ah? Comment ça? Bien. Ouais. J'aimais votre image. Allez! Oui, si je devais me casser, je crois que je pourrais compter sur toi pour t'occuper de Charlotte. Ah, très drôle. Je pourrais aussi m'occuper de tes chiens et tes poules, ce serait plus dans mes cornes, tu sais. D'autant que... Tu sais très bien que les femmes, je les adore, mais je ne les comprends pas très bien. Je suis incapable de entretenir une relation suivie avec l'une d'entre elles. Tu sais, Charlotte, elle est vraiment exceptionnelle. Arrête de me vendre ta femme, Paul. Tu m'emmerdes. Pourquoi tu veux à tout prix disparaître? On t'a demandé de faire des examens, c'est tout, t'es pas encore mort. Mais attends, j'ai les poumons qui partent en couille. Faut pas me prendre pour un con. Tu sais comment ça finit et dans quel délai. J'en ai plus pour longtemps, Alex. T'es mon meilleur ami. Je veux que tu le saches. Qui dit ça? Oui? Mais pas directement, mais... Il suffisait de le regarder. Et à la façon dont il m'a expliqué que c'était pas grave, j'ai su que ça l'était. Mais enfin, qu'est-ce qu'il dit exactement, Brunel? Il a trouvé une tache à la hauteur du poumon gauche, de la grosseur d'une prune. Alors, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'un soir, à l'heure de l'apéro, j'ai dû avaler une prune de travers. Juste au moment où j'étais à deux doigts de mettre au point ma race de poulet inoxydable, immunisé contre la plupart des maladies. Ça aussi, il faut me promettre de t'en occuper. Tu es le seul à en savoir autant que moi. Tu m'emmerdes avec ton pessimisme, Paul. Si tu continues, moi je te fous à la baille. Ah oui? Oui. J'ai eu un appel de Jeff Richardson. Tu sais, c'est le nouveau patron du département Afrique. C'est sympa. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il a appris ton opération et voulait avoir des nouvelles. C'est tout? Bah, c'est plutôt bon signe. Il pense à toi. Tu commences à leur manquer. Bah, moi, il me manque pas. Il a essayé de faire foutre. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Madame. Comment vous sentez-vous? Comme quelqu'un qui vient de se faire charcuter. Vous voyez, cher ami, notre patient n'aime guère les charcutiers. Je vous avais prévenu. Monsieur Freinet, l'exploration s'est très bien passée. Mais nous avons quand même trouvé une petite tumeur. Au minimum, pas plus grosse que ça. Rien de bien méchant, je tiens à vous rassurer. Une légère chimiothérapie et on ne devrait plus en entendre parler. Un cancer, c'est tout? Il fallait le dire tout de suite, ça nous aurait évité de nous faire du moron. Hein, Charlotte? Hop là. Tu m'as pas encore? Un petit peu, oui. Salut tout le monde. Ma chérie, ça va? Salut toi. Salut. Bah t'as vachement bonne mine. Tu trouves pas que j'ai grossi? Non, pas spécialement. T'as bien pas avec toi? Pourquoi il devrait l'être? Ah non, je suis ça comme ça. Pourquoi vous partez pas en vacances tous les deux? Vos billets pour Venise, vous les avez mis au frigo ou quoi? C'est peut-être pas vraiment le moment. Oh, il faut un moment spécial pour partir en vacances en amoureux maintenant. Bon, eh ben, moi j'ai une petite faim. Hein. Je vais voir ce qui reste au frigo. J'y trouverai peut-être vos billets pour Venise. Pourquoi tu laisses Cagasse comme ça avec Fabien? Bah, t'as toujours rien vu. Donc pour toi, elle file le parfait amour. Ça te surprend tant que ça? Non. Bah, allez, viens m'offrir un verre, j'ai soif. Moi aussi. Hop. Bob, tu peux venir? Dis-moi, Venise, c'est pas con, finalement? J'ai trop de travail avec les bêtes pour le moment. Tu peux demander à Alex de s'en occuper. Alex est vétérinaire, il n'est pas berger. Oh. Hein? Je me sens de mieux en mieux. C'est vrai que t'es en meilleure forme.
Finalement, la chimie, on en fait tout un plat. Ça fatigue un peu, mais bon. La vérité, je pensais à cette photo. Tu sais, l'idée de jamais se séparer. Tu me vois déjà partie, c'est ça? Tu passes assez nul. Pas tant que ça. Depuis quelque temps, j'ai l'impression que je vais te laisser tomber. C'est égoïste, ça. Ça me surprend de toi. Jusqu'à présent, on s'était jamais quitté. Tu m'avais toujours emmené avec toi. Et là, tu me dis que tu vas partir, comme ça. Tu pourrais au moins me proposer de t'accompagner. Tu as toujours fait. Tu prenais même la décision pour moi. Là, c'est pas pareil. C'est pas le même voyage. Bah, tu pourrais au moins me le proposer. Comme ça, j'aurais le choix de t'accompagner ou de rester. Là, tu envisages de me laisser en plan. Carrément. Si tu me disais que tu m'aimes, ça serait pas plus simple? Je vais pas rester si t'es pas là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça parce qu'on a griffonné des conneries sur une photo quand on avait 20 ans? Je rêve. Non, tu rêves pas. Je parle sérieusement. C'est interdit? Oui. C'est interdit de déconner comme tu fais. Ah bon? J'aurais pas joué comme ça, hein. Enfin, tu fais comme tu veux. Hein. Tu veux encore prendre une leçon? Non. Alors, cette fois-ci, c'est moi qui vais te la donner. Et pour toi, ce sera gratos. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a? Dis donc, Fabien, j'entends dire que Caroline fit le parfait amour. Je serais pas avec toi, par hasard. Ah, eh ben, oui, je crois. Bon, ça, tu crois. Tu sais quand même si t'es amoureux de ma nièce ou pas. Bah oui. Parfait. T'aurais pu me le dire, hein. Non, mais j'en avais l'intention, mais tu m'as pas vraiment laissé le temps. Marc, si c'est avec toi, je suis rassuré, hein. Tu sais, Caroline, c'est un peu comme ma fille. J'aurais détesté qu'elle soit amoureuse d'un con. Bah, dis donc, professeur, tu touches pas une bille, hein? Merde. Allez, à moi. Tu sais, ces derniers temps, j'ai chaud, mais ça va beaucoup mieux. Ah, je peux toujours passer sous un camion. Alors, Charlotte et Caroline, on va bien t'en occuper. Oulala, attends, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Mais si, ça va très bien, regarde. La leçon est terminée. Allons boire un coup. Ouais, vaut mieux. L'automne, on va allumer un feu. Ton mari est pas là? Non. Je vous ai entendu tout à l'heure. C'est à cause de la photo? J'ai envie d'en parler. Mmh.
sais, quand on a 20 ans, on écrit des trucs. Et puis, le temps passe, change tout. Mais on n'oublie jamais. Une femme n'oublie pas le premier homme qu'elle a aimé. Alors, t'imagines si c'est le même après tant d'années? Et que cet homme-là t'annonce qu'il va partir pour de bon. Il est indestructible, ton Paul. J'arrive pas à imaginer la vie sans lui. Et en même temps... Quoi? C'est pas facile. Ah, Madame Freinet, entrez. Bonjour, professeur. Bonjour. Pardon pour cette convocation un peu rapide. Asseyez-vous. Merci. J'ai profité d'un voyage de mon mari à Paris. J'ai dit que j'allais voir ma sœur. Ce que j'ai à vous dire m'oblige à vous parler de vive voix. Pourtant, il va bien en ce moment. Vraiment. Ça. J'en ai peur. Il reste combien de temps? Difficile à dire. Chacun réagit différemment. Ça peut être une question de mois ou d'un an ou deux. Et vous allez lui dire? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Un homme comme votre mari peut donner le sentiment de vouloir connaître la vérité et au fond de lui-même la refuser. Un être actif, déterminé, ce sont souvent les plus fragiles dans ces situations-là. Et ni vous ni moi n'avons intérêt à couper cet élan. Vous voulez dire qu'il faut que je lui mente? Je crois. Ça, je sais pas si je saurais. Écoute, je suis là. Je suis prêt à céder. Donc, tu sais, c'est le matériel de base. Tout ce qui est scolaire, pompe à chaleur, matériel agricole et le médical. Mais évidemment, tu peux nous être très utile. Si tu savais comme le son de ta voix me fait du bien, mais... Tu me fais visiter ton bazar? S'il y a que ça pour te faire plaisir. Tu vois, il y a de la place. On peut travailler. Formidable. Et ta santé? Tu tiens la forme maintenant? Écoute, mon pote, si j'avais une simple dysenterie, tu ne serais pas inquiété. Pas tant que ça, c'est sûr. Enfin, le cancer, c'est la dysenterie des pays riches, pas plus. Ah, vous avez ça? C'est bien, hein? En tout cas, je vois que t'as pas perdu le sens de la répartie. Alors si ça te dit, t'es des nôtres. Je suis ton homme. Où tu veux, quand tu veux. Tu as des problèmes avec Charlotte, ça ne va plus? Mais non, fais pas chier, Arnaud. Trouve-moi une mission et vite. Tu iras au Niger. On a besoin d'un mec comme toi, là-bas. Merci. Non. Je vous feriez pas une cigarette, s'il vous plaît. Je suis désolé, madame, mais moi, je manque au paquet. Donnez-moi un paquet. Ouais. Avec quelle marque? Je sais pas. Moi non plus. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Si, si. Je me suis fait surprendre par une averse. Viens vite. Merci.
Alors, comment ça s'est passé avec Arnaud ? Oh, très bien, il était très content de me voir, savoir que j'avais la forme. Mais de là à me proposer un poste, c'est autre chose. Et toi, ta sœur, ça va ? Elle en est où encore avec Pierre ? Tout va bien. D'habitude, rien n'est clair. Ils s'aiment à leur façon. J'ai reçu une lettre d'Arnaud ce matin. Je dois partir dimanche pour le Niger. Ils ont besoin de quelqu'un là-bas en urgence. Attends, c'est pas sérieux, Paul. Il faut que tu en parles au moins au professeur Brunel. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien. D'accord. Je l'appellerai comme ça, pour le principe. Tu fais ce que tu veux, hein. Je vais surtout pas te forcer, mais... Si t'as le moins de soucis là-bas, moi je suis que sage-femme. Tout ce que je pourrais te faire, c'est te piquer les fesses, un point c'est tout. Charlotte, je ne suis plus malade. Et de toute façon, tu ne pourrais même pas. Ah bon, mais pourquoi ? Je pars seule. Quoi ? Oui, je pars seule. Je pars sans toi. Attends, tu veux dire que tu veux partir en Afrique ? Tout seul et me planter là ? Et qu'est-ce que je deviens, moi ? On s'est jamais quitté, Paul. C'est la première fois. Tout arrive. Ah non, pas à nous. Non, ça doit pas nous arriver à nous. Tu me déçois, Paul. Tout de suite les grands mots, hein. Et qui est-ce qui va s'occuper de toi là-bas ? Mais personne ! Je n'ai besoin de personne ! Tu ne comprends pas, je ne suis plus malade ! Plus malade ! Sur quel ton faut-il le dire à la fin pour que tu l'entendes ? Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais la gueule, toi aussi ? Toi, je te parle pas. Ah, dis-donc, si tu as mal dormi, j'y suis pour rien. Bah si, justement. Quand je suis rentrée hier soir, je t'ai trouvé endormie là. Je suis montée voir Charlotte, elle pleurait. Là, je me mêle pas de ta vie privée, moi. Mais si, tu t'en mêles, fais pas l'innocent. Fabien m'a dit que t'étais allée le voir pour lui parler de moi. Ah, je l'aime bien, Fabien. Je trouve que c'est un type formidable. Mais je m'en fous que tu l'aimes bien. L'important, c'est ce que moi, je pense. Ton avis, je m'en fous. D'accord. En tout cas, je te trouve vachement dur avec Charlotte. Je comprends pas. Je vous aime tous les deux, moi. Je peux pas vous imaginer l'un sans l'autre. Mais c'est pas ça. Et puis, c'est pas parce que t'es malade qu'il faut s'en prendre à la terre entière, hein. Écoute. Ah, puis tu m'emmerdes à la fin. Je peux pas t'expliquer, mais crois-moi, il faut que je parte. Je dois mettre de la distance entre elle et moi. Oh, arrête tes conneries. Tu as tout gâché. Écoute. Charlotte m'inquiète vraiment, elle s'est mise dans la tête de partir avec moi si je dois me casser de cette foutue vie. Ne m'étonne pas d'elle. Mais moi, je ne veux pas. Écoute, Paul. Je ne connais pas de femme qui aime autant son mec. Qui est aussi bien la tête sur les épaules. Alors, emmène-la avec toi. Elle fera pas de bêtises, elle pourra même t'aider, je t'assure. Tu veux qu'elle voie ça? Je vais faire porter aussi des recherches sur les poissons d'eau douce. C'est aussi important que la volaille. C'est une sacrée mission, tu sais. T'es un homme heureux, si je comprends bien. Ben tiens, dis donc, on n'est pas en compte tous les deux au billard ? Oui. Va donc me chercher ma valoche et magne-toi, on est en retard. Et voilà.
Je compte sur vous tous les deux, hein, pour vous occuper des bestioles et tout ça. Pas de blessé, hein. Il est incroyable, Alex. Pourquoi ? Bah, depuis que Paul est parti, il coucoune Charlotte comme une vraie maman. Si tu crois que ça la console. Charlotte ? À quelqu'un ? Charlotte ? Oh. Ça va ? T'as besoin de quelque chose ? Non. Si, tu peux m'apporter une aspirine, s'il te plaît. Oh, une aspirine pour les cuites, c'est pas l'idéal. On aurait mieux un lait d'ours. Qu'est-ce que c'est ? Vin blanc coupé d'eau. C'est vin pour les cuites. Comme les tout est génial, mais comme médecin, je suis pas sûre. Je vais te préparer une boisson chaude. Encore ce qu'il y a de mieux pour ce que t'as. Je le dis qu'à toi, mais il est vraiment condamné. Il le sait. Sûr. Et sans doute. Sinon, pourquoi il nous aurait fait le coup du vieil éléphant qui part mourir tout seul? Il n'a pas envie qu'on le voie décliner. Et surtout, pour que tu n'assistes pas à tout ça, c'est pas de la fierté, c'est de l'amour. Tu sais, dernièrement, il m'a fait promettre de m'occuper de toi, de ses recherches, de la maison, au cas où il lui arriverait quelque chose. Tu es donc devenu son légataire universel. Mon pauvre vieux. Toi qui avais fait vœu de célibat. Ah non, 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 non. C'est pas moi qui ai fait ce vœu. C'est les femmes qui l'ont fait pour moi. Puis tu sais, de toute façon, comme Veto, on est plus souvent au cul des vaches qu'à la maison. Tu vois, Paul est parti une fois, ça se reproduira pas. Oh, écoute, arrête de l'emmerder avec ça, tu veux. Mais je peux pas imaginer la vie sans lui, c'est quand même pas un crime. Avec qui je pourrais rire, pleurer? De qui je pourrais m'engueuler? De qui
je pourrais me moquer. Tu peux me le dire. Essaye de comprendre ton mec. Dans cette fuite, c'est toi qui veux protéger. Je lui ai jamais demandé ça. Oui, mais en te comportant comme ça, tu ne l'aides pas vraiment. Il peut guérir, Paul. Tu parles de mourir à quelqu'un qui fatalement ne pense qu'à ça, alors. Mais je parle d'amour, de vie. La mort, c'est sûrement une nouvelle aventure. On a toujours tout fait ensemble, alors pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? T'es idiot. Tu sais, j'ai pas envie de mourir. Des fois, je me dis que je verrai plus le jour se lever. Quand vous serez plus là. Est-ce que vous serez vraiment plus là ? Ce que je sais, c'est que j'ai la trouille. Et en même temps, je pourrais pas vivre sans lui. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu peux me le dire. Allez, dégage. Jamais! Bob! Bob! Dépêche-toi! Viens vite! Charlotte, ça va? Mais oui, ça va très bien, sauf que j'en ai marre, ces animaux! Faut chier ces moutons, tiens, ça bouffe, ça pue, ça belle! Y'a rien de plus con qu'un mouton! Si, si, tiens, à part un poulet! On les élève pas pour leur intelligence, on les élève pour les bouffer. Oui, ben moi j'en ai marre de bouffer du mouton, voilà. Oh, je n'arriverai jamais. Je suis trop nulle. C'est pas ça. Charlotte, si vous étiez vraiment nulle, il serait pas resté avec vous, hein? Tu crois? J'en suis sûr. Allô? Oui, bonjour Arnaud. Il est pas bien? Ah, vous le rapatriez aujourd'hui? Oui, c'est ça, le professeur Brunel. Vous voulez son numéro de téléphone? Merci Arnaud. D'abord, ça ira. Que l'Afrique ne veut plus de moi. Temporairement, peut-être. C'est ça. Vous pensez que je vous crois? Pourquoi pas? Soyons sérieux, j'en ai encore pour combien de temps? Sans doute plus que vous ne croyez, mais sûrement pas autant que vous le voudriez. T'as l'avantage d'être clair. Je peux quitter l'hôpital, les poches pleines d'espoir. Vous pourriez pas me donner une fourchette? Une fourchette? Ah, une fourchette, difficile. Ça dépend beaucoup de vous. Pour l'heure, vous avez besoin de repos. Et je pense que l'Afrique, maintenant, vaut mieux éviter. Ma femme est au courant. Pas plus que vous et moi. D'ailleurs, elle est là. Entrez, madame. Chère madame, votre mari a besoin de faire une pause pour combattre efficacement son cancer. Bon. Je vous laisse. Je reviens demain. Nous parlerons calendrier. J'ai l'impression que mon temps va être cher vu ce qu'il en reste. Il te reste l'éternité. Oui, mais pas avec toi. Je te déteste quand il a mal. Il est douillet, tu sais. Arrête de manger des cornichons, tu te bousilles l'estomac. Je m'en fous, je pense moins quand je mange. Eh ben, bouffe autre chose.
Il y a plein de moments où j'aurais préféré avoir mal à sa place. Je supporterais pas de le voir souffrir. Je préférerais, tiens, qu'il s'en aille. Et puis je partirai avec lui, si j'en ai le courage. Dis pas des trucs comme ça. Et pourquoi je dirais pas des trucs comme ça? J'ai vraiment envie de partir avec lui. C'est lui qui veut pas. En même temps, je sais pas si j'en serais capable. Oh, c'est compliqué, compliqué. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'avais le noyau. T'as vu? Dis que je veux partir avec lui, j'ai peur d'avaler le noyau. C'est formidable, non? Putain. Le jour où j'ai trouvé cette photo. T'en fais pas. De toute façon, j'avais pas oublié. D'accord, j'ai l'air destroy. Méfiez-vous des apparences. Arrête de rouler des mécaniques, ça prend pas. C'est vrai, j'ai subi un traitement de rhinocéros, mais cette fois-ci, la bête est vaincue. Le tout vivant est formel. Dans un mois, j'aurai retrouvé la forme. Alors, rangez vos mouchoirs, hein, et préparez les confitures, les meilleurs pâtés et les grands vins. Non, tu peux fermer les volets, s'il te plaît. Non. Allez, au boulot. Viens voir, viens voir. Ouh. Oh, tu peux pas savoir comme tu m'as manqué. J'étais là-bas, tout seul comme un con. À tenter de faire croire que j'étais pas malade. Je n'y croyais pas moi-même. Comment voulais-tu que je persuade les autres? L'Afrique n'avait plus le même goût, plus le même parfum, les bruits, c'était plus ceux que j'aimais. Je ne reconnaissais rien. C'était comme si ma démarche n'avait pas de sens. Tu me manquais tout bêtement. Et moi donc? Je croyais que je t'aimais. En fait, je savais rien. L'absence apprend tout sur tout. Tu sais, j'ai repensé à ce qu'on s'était dit sur un... Chut, tais-toi. Arrête. Sans toi, je serais plus l'idéal de personne. Sans moi, tu es toi. Tu as toujours été toi. Et les autres, tu as pensé? Ils comprendront. Si tu fais ça... Tu le regretteras toute ta vie. Tu tombes toujours toi en dérision. Caro, ta grand-mère a dit qu'elle vous offrait le four à micro-ondes pour votre appartement. C'est vachement bien. Ouais, j'aurais préféré un four tout court, mais bon, c'est gentil. T'es jamais content. Hein. Ouais, faut remercier la grand-mère. Dis donc, Charles, tu viens me voir si souvent. Tu veux pas prendre pension? Attention! Ah bon? Et moi, je viens tous les jours, on me propose rien. Ah, mais toi, tu es à la bergerie. Un beau mec comme toi, les brebis seront ravis. Alors, c'est toi qui l'as fait? Oui. Pourquoi t'en veux pas? Non, mais c'est pas grave, ça en fera plus pour les autres. Et puis t'as des réserves, non? Je te sais. Alors, Venise, vous y allez quand? Si tu me jures qu'il pleuvra pas, on part demain. Hein? Juré. Ça a l'air délicieux. Ah, il a peur, Paul, de pas en vouloir. Attention, j'ai faim. Oui, moi aussi. On a faim. Je voudrais te demander quelque chose d'important. Je t'écoute. Comme tu l'as remarqué, je commence à souffrir beaucoup. Bientôt, on passera à la morphine.
Mais il n'y a pas que la douleur physique qui me fait peur. Pour moi, pour vous aussi. Je veux m'en aller décemment. Tu m'aiderais? Je sais pas. Je supporterais pas de te voir souffrir. Tu parais plus déterminée pour toi que pour moi. Déterminée? C'est vite dit, hein? Mais t'en fais pas. Ça m'empêchera pas de continuer à t'aimer, hein. Idiot. Paul? Charlotte? Vous êtes là? Ouh, y a quelqu'un? Charlotte. Merde. Fabien, dépêche-toi, Paul et Charlotte vont pas bien. Appelle le toubib. Vite, dépêche-toi. Je ne réponds pas, je vais chercher. J'ai appelé le SAMU. Thank you.
ma petite Caro, ma Julie, toi Pierre, et vous tous Alex, Fabien, Charles et autres amis. Nous voilà partis pour un nouveau voyage à deux. Venise nous a fait peur. Le temps y est incertain. Alors nous avons décidé d'aller plus loin, là où Paul n'aurait plus mal. Il souffrait tellement. Regardant ses yeux se fermer, j'ai cru lire en lui un bonheur que je n'avais pas décelé depuis longtemps. Là où Paul n'aurait plus mal. Il ne le sait pas, mais j'ai décidé de le rejoindre. Il souffrait tellement. Ce bonheur-là, il ne pouvait pas le vivre seul. Nous avons toujours tout partagé. Regardant ses yeux se fermer, j'ai cru lire en lui un bonheur que je n'avais pas décelé depuis longtemps. Mais je suis sûre qu'il est heureux que je sois près de lui. Alors, ne nous pleurez pas. Ne tentez rien pour interrompre notre voyage. Si vous nous apercevez tentant notre voyage. Si vous nous apercevez tentant de prendre la fuite. Est-ce que les personnes suivent un traitement? Une chimio pour Monsieur Freinet et rien pour Madame. Charles, il faut les arrêter. Qu'est-ce que tu racontes? Il faut les arrêter. Regarde, il m'avait demandé. Madame, est-ce que vous m'entendez, Madame? Monsieur, les gens du SAMU sont là pour tenter de sauver ton oncle et ta tante. Ils doivent le faire sans poser d'autres questions. S'ils le peuvent, ils le feront. Mais c'est contraire à leur volonté! Arrête un peu, Caroline! C'est pas le moment! Vous serrez la main, madame. Respecteur, toi, t'es médecin. Non! T'es contre... Caroline! C'est monstrueux! Lâche-moi! Il faut les laisser dormir! Il faut les laisser dormir! Laissez-les! Sœur de Madame Freinet. Oui. Monsieur Freinet, votre beau-frère est décédé il y a 10 minutes. Quant à sa femme, votre sœur, il semble qu'il y ait quelque espoir. Caroline. Caroline. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Caroline. Caroline. Arrête! Tu pouvais pas savoir. Ok. Hey, calme-toi, calme-toi. Je voudrais vous lire les derniers mots écrits par Charlotte avant qu'elle essaye d'accompagner Paul. Nous avions fait le serment de ne pas nous quitter. Notre bonheur, comme notre avenir, ne peut se concevoir l'un sans l'autre. Notre choix de la mort est un acte de liberté. En aucun cas, il ne peut être un exemple. Nous ne voulons pas y prétendre. Nous vous aimons et pensons très fort à vous. J'ai été prise de panique. En plus, je n'avais pas vu la lettre. Je
Je te demande pardon, Charlotte. Pierre, vous avez saccagé leur histoire. Et votre tante est tirée d'affaire maintenant. Elle va bientôt pouvoir sortir. Vous n'auriez pas dû la ranimer, elle ne voulait pas. Très bien. Écoutez, je vais vous donner des pilules, là, tout de suite. Et ça va vous permettre d'aider votre tante à rejoindre son mari. Ça va comme ça? C'est complètement absurde. Pourquoi? Parce qu'elle voudra sûrement plus et que je tire à elle, enfin. Voilà. Au revoir, mademoiselle. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Bon, ben, ça m'a l'air très bien tout ça. Oui, c'est parfait. Ben, j'espère que vous ne m'en voulez plus. De quoi? Je vous remercie. Je me mets à votre place. Hein. Je suis seule responsable de ce qui m'arrive. J'avais pas tout prévu, c'est tout. Et vous le regrettez encore? Ah là, vous dépassez votre rôle. Vous jouez au confesseur. Je ne répondrai pas. Pardonnez-moi. Je cherchais peut-être de nouvelles raisons de soulager ma conscience. Vous voulez dire que vous pourriez admettre avoir manqué de discernement? Sauver des vies n'est pas une question de discernement, mais une question de morale, de respect de la vie. Un soignant ne peut pas faire le tri. Et si je recommençais? Eh bien, je ferai exactement la même chose. Mon métier. Non, je vais marcher. Ça va aller? C'est bon, merci. Charlotte, ce soir je suis si fatiguée. Si tu dis Céline, je ne serai plus là. C'est contraint et forcé que je t'ai abandonné. Tu le sais, c'était pas mon intention. Tu veux m'accompagner? Crois-moi, tu as mieux à faire.
Quel ami sera-t-il? Tu vas m'aider à reprendre le flambeau. Hein? Les poules de Paul à nouveau réunies. Non. Non, je ne vais pas t'aider. Pour les poules, t'as toujours su être là quand il le fallait. Tu t'occupes bien d'elles. Je l'ai lu dans leurs yeux. J'ai mieux à faire. Enfin, je crois. Arnaud, c'est Charlotte Freinet. Tu m'avais reconnue. Tu te souviens que je suis sage-femme? Je suis disponible. Où tu veux. Merci. À bientôt. Et ben et moi, qu'est-ce qui va m'accoucher?